Et donc, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infamous 2, partie 23, je suppose, je ne suis pas sûr. Donc là, c'est une autre mission, hein. C'est une mission de karma, de good karma. Brise glace avec Kuo, bien sûr, les missions bleues, c'est comme ça. Et on va lancer info de la guerre de triage. Les rêves des hommes de glace sont pires, mais malgré ça, Bertrand continue d'aller dans cette zone ferroviaire. Bizarre. Pourquoi un type friqué comme Bertrand viendrait salir ses pompes dans un endroit pareil? Je travaille encore là-dessus. Y a pas moyen de le choper quand il y va? Non, parce qu'il n'y va pas régulièrement. Je sais ce qu'il jette, mais il n'écoute pas, Cole. Alex, tu veux pas laisser les adultes discuter tranquille? Qu'est-ce que je te disais? Je t'écoute. Ok. Vous voyez comment Bertrand va? Ben, il a deux pouvoirs. Les trucs du marais, ils sont à lui. Tu parles des monstres, c'est lui qui les crée. Ouais, je l'ai vu le faire. Ils sont sauvages au début. Ils bidouillent un truc avec eux. Et ces monstres sont à lui. Alors, tu veux dire qu'il s'attache à lui? Quoi, comme une chienne et ses chiots? C'est exactement ça. Non, sans blague. Ils prennent Bertrand pour leur mère. Nix, comment tu es au courant de tout ça? J'y suis allée, moi-même, j'ai même tenté le coup. Et j'ai eu un monstre à moi. Tu es en train de dire que tu as domestiqué un de ces monstres. Non, bébé, on a essayé de fuir. L'ami est arrivé. Il est mort en me protégeant. Eh ben. Bon, c'est très émouvant, mais si ce que tu dis est vrai. Oh, attends là, tu me traites de menteur. Eh bien, si ce que tu dis est vrai, Cole, on devrait peut-être aller chercher des preuves tous les deux. Si on peut prouver que c'est bien ce qui se passe, on pourrait retourner la ville contre Bertrand. Et après, on libérerait un maximum de prisonniers. Non, c'est moi qui parle, Cole. Tu vas me couvrir et je vais copiner avec les monstres. Imagine tout ce qu'on pourrait faire avec une armée de ces trucs, Cole. Il faut que je réfléchisse. Préparez-vous à agir. Par contre, sur le coup, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Hein. Vaut mieux monter la ville contre lui qu'avoir une bande de monstres parce que je me dis qu'on peut en avoir après, quoi. Donc, on va se lancer sur la mission. Par contre, si elle est assez longue, la mission, enfin, si je mets vraiment de temps à la finir, moi, je pense pas vraiment, je me souviens plus trop de la durée. Je risque de la faire en deux parties. Hein. J'ai pas les soucis de 15 minutes, mais pour moi, ça fait quand même beaucoup de temps à mettre une vidéo. Parce que je le mets sur portable. Hein. Je mets des vidéos sur portable. Ridicule de n'importe quoi. Donc, on va se lancer en émission. Quoi? Prête à dénoncer Bertrand? Ah, je bosse toujours sur le piratage de l'antenne TV. C'est plus long que je pensais. Mieux vaut y aller sans moi. Laisse tomber, je peux attendre. Non, 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 non. On manque de temps. Ils ont des tours de guet dans la zone ferroviaire. J'ai trouvé un trou par lequel te faufiler, mais tu devras faire le tour. Donc là, c'est une zone hors tension, c'est pour ça qu'il y a la guerre partout. Et que bah j'ai pas d'électricité quoi. Donc je passerai par là, comme ça je suis sûr de pas me faire avoir. Regardez quoi. Ah, c'est un hôpital avec plein de malades, ok. Bah c'est de ta faute, hein. C'est lui qui a coûté tout, enfin, tout, enfin, contaminé tout le monde, quoi. Je suis sûr qu'il avait pas prévu ça, le call du futur. Oula, on me tire dessus. Là, 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 là. À part s'il avait prévu carrément l'épidémie, qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Je sais pas quoi faire là. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je croyais qu'il fallait être discret. Ouais, mais j'ai drogué les gardes. Ça te permettra de te faufiler. Mais ils vont bientôt se réveiller. Beau travail, quoi. Donc les gardes sont drogués, donc il faut pas trop leur approcher. Super. Bon, ils retiennent les prisonniers dans un genre de wagon de marchandises près de ta position. Chouette photo. C'est un bon début. Mais il en faut plus si on veut éliminer Bertrand. Ensuite, on reviendra et on libérera tous ces gens. Donc là, les soldats, bien sûr, ils sont drogués. En fait, Et si je m'approche les trop d'eux, ils pouvoirs, risquent de ils ont me voir. tendance à attirer l'attention.
Oui, j'ai remarqué. Ok, je vais rester discret pour le moment. Écoute, Cole, les gardes sont drogués, mais ils te repéreront si tu t'approches trop près. Une fois, c'était juste passé comme ça, il y en a un qui parlait de la météo, il fait ouais, il doit faire genre au moins 35 degrés, un truc du genre. Donc là, c'est les boomers, enfin moi je les appelle comme ça, les boomers, parce qu'ils approchent de vous, ils explosent. Donc en fait, ce que va faire Kuo, c'est de prendre des photos de Bertrand et tout ça, quoi, de tous ces complots, pour les passer à la télé. Et en fait, dénoncer ce qu'il fait, quoi. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Sur mes projets, je veux dire de la Team Chuck, donc là, un ravageur. Bien sûr, il n'y a pas de dévoreur, hein, parce que c'est assez gros pour... Enfin, bon, trop gros, il risque de me voir. Même pas. Comment essayer? Il y a un GPS avec tous les ennemis dessus, comme la carte en bas ou quoi? Ah, ils sont beaux gosses. Que c'était des humains. Je viens de l'apprendre. Bertrand est là. Il se dirige vers le grand entrepôt. Cool. C'est peut-être là qu'il fabrique les monstres. Je vais essayer de le prendre sur le fait. Cool. Si tu peux faire cette photo, ce sera terminé pour Bertrand. Et qu'il est là, Bertrand. Donne-moi ça. D'accord, Thomas. Elle est là. Mais si, tu vois pas là la cible, elle est en vue. Il faut, voilà, quand même. J'entends Bertrand à l'intérieur, mais j'arrive pas à le voir. Continue à chercher. Il doit bien y avoir un endroit d'où prendre une bonne photo. Eh, mais faut savoir, ils me disent déplacer l'appareil photo vers la droite, vers la gauche. Ah, ils font caca là. Ok, parfait, prenez la photo. Il est où, Bertrand? Alors, excusez-moi, je vais juste faire une petite pause. Voilà. Ils sont classe, hein, les perso, je préfère quand on voit net. Bon. Je crois qu'on a exactement ce qu'il nous faut. Je suis en train de diffuser les photos pendant que je te parle. Les gens vont enfin voir le vrai visage de Bertrand. Il doit pas bouger jusqu'à ce que j'arrive. Ouais, on reçoit déjà plein d'appels. La moitié de la ville veut nous aider. Je compte bien faire un massacre là-bas. D'accord, mais fais vite. Il va retrouver Bertrand avant. Avant qu'il s'échappe. Il est un Blackberry. Il a dit espèce d'enfoiré, hein. On va, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut libérer les gens. Oh, ça c'est du cri de guerre. Il est ouvert là. Ah ouais. Donc toi, tu fermes ta bouche.
J'allais pas dire le mot grossier que vous attendez tout ce que j'allais dire. Mais non, là j'ai la pêche, là j'ai la choper. Enfin, la choper là. Donc roulade, roulade, roulade. Non, 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 non. Donc je sais ce qui va m'attendre, hein. Donc c'est pas non plus, comment dire, quelque chose de très difficile et impressionnant. C'est quelque chose que j'ai déjà battu, mais qui est juste un tout petit peu plus fort. Un tout petit peu, hein, je dis bien. Désolé, bébé. Ton plan était le meilleur. C'est pas ce qui était convenu. Moi, j'ai rien convenu du tout. Mademoiselle Lafayette n'a pas d'ordre à me donner. Ce sont des monstres, Liggs. Mais bébé, je suis un sacré coup de main. Tu verras. Donc après je comprends pas si le gros, comment on appelle ça, dévoreur qui est ici, va être, enfin si c'est elle ou quoi, qui l'a dressé. Mais lui par contre il est juste un tout petit peu plus fort que les autres. Oh merde, il a fait exploser le truc de, vous voyez, juste un tout petit peu plus fort. Tiens. Non. Non, non, non. Ah, il fait du bruit ce point. Oula, kadaboum, baboum. Tiens, je t'ai eu. Tête de fesse, va. C'est kebab. Ah, il vient de buter des gens, moi. C'est quoi ça? Ah, c'était elle en fait. Donc tenez, bande de kebab. Bah, 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 bah. Allez, volez, bande de cons. Ah ouais, faut que j'aille là. Donc par contre là je suis dans les temps, je suis bien 12 minutes encore, c'est réglo, c'est bien, c'est bueno quoi. Oh, ah, je suis en train de spammer ma touche là. Ah voilà, c'est bon. Donc là j'ai fini la mission. Tiens, je t'ai détruit, t'es congelé, t'as peut-être la touche nerf, je te bouge. Et toi aussi, tu sers à rien, mais toi on peut pas te frapper, toi c'est chiant. Bah alors j'ai frappé eux à la place, tiens. Non merde, tiens, tiens. Et retiens, et tiens, et tu veux pas crever en plus à l'eau. Tiens, et tiens. Et tiens, et tiens, et tiens, et retiens, et retiens, et retiens, et tiens, et tiens. Ah voilà, enfin, il a voulu crever, hein. Oh, et vous? Tenez. Ah, par contre, vous voyez la bête où elle est, là? Vous voyez où ça se situe? Donc, on va se laisser ici. Ah bah, et puis non, je vais vous laisser la petite phrase. Donc c'est Zek qui se sent plus là en fait, il vient d'accoucher, hein. Il vient d'avoir un gosse. Un gosse. Tiens, dans ton trou de paille. Tiens. Continue comme ça et les choses vont changer. Et donc on va se quitter sur ce beau menu navigné, ouais. Donc je vous dis à la prochaine pour la partie 24 si je me trompe pas, mais je pense que si. Allez, ciao tout le monde.